Qu'en est-il maintenant de la situation en Europe? Désormais, le port des masques de protection est obligatoire en Espagne. Même les enfants âgés de plus de 6 ans sont concernés. Rappelons que le pays poursuit son déconfinement progressif jusqu'à fin juin. Anissa Araou pour les compléments d'information. Alors que les commerces rouvrent petit à petit, plus personne ne peut déroger à la règle. Depuis ce jeudi en Espagne, les masques sont désormais obligatoires. Et ce, dès l'âge de 6 ans, dans les espaces fermés ainsi que sur la voie publique, quand il n'est pas possible de maintenir la distance de sécurité de 2 mètres minimum. Certains estiment que les masques auraient dû être rendus obligatoires plus tôt. Nous avons perdu tellement de temps durant ce confinement. Porter un masque est nécessaire et personne ne nous force à le faire. Nous aurions même dû le faire plus tôt car la situation est critique et nous ne voulons pas retourner à l'enfermement. Jusqu'à présent, seuls les usagers des transports publics sont obligés de porter un masque, et ce depuis le 4 mai dernier. La décision de généraliser le port du masque a été prise lundi, en accord avec toutes les communautés autonomes compétentes en matière de santé. Le port du masque est désormais obligatoire, même lors des promenades dans la rue. Une décision que Fernando Fernandez, livreur, est heureux de voir appliquer. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. À cause de mon travail, je rencontre beaucoup de personnes toute la journée. Le port du masque peut réduire la contagion, car nous, les livreurs, sommes aussi en première ligne et donc exposés à de nombreux risques. Le type de masque rendu obligatoire n'a pas été spécifié. Et 45 millions de personnes sont concernées par cette nouvelle obligation. L'Espagne est l'un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 et a entamé un déconfinement progressif qui doit s'étaler jusqu'à la fin juin.